Et lui à tous et à toutes, c'est Bestie, aujourd'hui on se retrouve pour, bien évidemment, encore la suite de la frappe soluce de God of War 1 HD sur PS3. Voilà, donc on va continuer tout de suite. Ah oui, donc je m'étais arrêté là avec cette salle, vous voyez qu'il y a des pics hein, en dessous. Et là, ça va vachement être, mais vraiment très très dur. Vous allez voir pourquoi, faut que j'atteigne le haut. Le haut ici. Mais pour l'atteindre, va falloir que je ramène une caisse. Seulement voilà, c'est chronométré, mais chronométré à la milliseconde près, vous allez voir. Voilà, alors déjà ça c'est ça. Hop. Alors voilà, déjà vous entendez là. Putain, j'ai foiré le... Ouais, j'ai foiré, voilà. Je vous l'ai dit, hein. C'est vraiment, mais à la milliseconde près, quoi. Et vraiment, je sais pas, mais ils ont codé ça, c'est vachement dur, quoi. Même pour... Alors je vais au moins mourir 10 fois hein, dans cette partie. Je sais qu'il faut utiliser X et machin. C'est obligé si vous voulez. Si vous voulez gagner. Vite, vite, j'y suis, putain, j'y étais. Non. Alors ça c'est dégueu, voilà. Bon, cette vidéo commence bien, mais je vous l'ai dit. En plus, bon, je fais pas genre le mec qui s'entraîne avant et tout, parce que je trouve que ça sert vraiment à rien de faire ça. Allez, 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 plus vite. Allez, 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 t'y es presque. Vite, vite, mais non, mais non, mais non, mais non, là, n'importe quoi, là, Kratos, t'as fait de la merde, là. T'arrives même pas à sauter sur un bloc, arrête tes conneries. Putain, j'y étais, y a même pas 2 secondes et... Oh là là. Je le sens pas, hein. Moi je vous le dis tout de suite, cette vidéo est hyper merdique. Allez, 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 prends le bloc. Oh putain, j'ai perdu déjà. Bon, on va essayer de sauter, c'est pas bon, ouais. On va encore mourir, putain. Je déteste ce passage. C'est le passage le plus dur de ce jeu. Ouais, allez. Oh putain, je le sens pas du tout. Allez, putain, mais pourquoi t'avances à 2 à l'heure là? Bon, allez, là, ça devrait le faire, oui. Oh putain. Merci mon dieu. Oh là là, j'ai eu la frousse de ma life. Bon, alors là, si je tombe, je suis dans la merde, hein. Voilà. Et on va pouvoir récupérer un objet. Voulez-vous prendre le collier? Oui. Vous avez acquis le collier d'Aphrodite. Alors il y a un deuxième collier vert, parce que celui-là c'est le rouge, et il y a un deuxième collier à récupérer pour passer le prochain level.
Donc on va aller le récupérer. Wouhou! Ah putain, ça m'a pris 3 vies, mais quand même, ça le fait. Je pensais que j'allais crever plus que ça. Alors là, on va pouvoir... Wouhou! Putain, je déteste ce passage. Franchement, c'est le passage le plus merdique de ce jeu, hein. Donc là, on va passer par là, parce que c'était par là qu'on devait... passer. Là, j'avais pris le coffre. Là, faut faire tourner la plateforme. Alors, la plateforme se bloque pas. Hein. Elle va rester tournée, vous allez voir. Hop. Donc là, faut sauter. Parce que sinon, vous voyez, c'est pas arrêté. Donc, c'est timé encore une fois. Donc là, je vais avoir de la compagnie, voilà. Connard de satyre de merde. Tiens. Putain. Continue à me bloquer, toi, enfoiré. Voilà. Alors là, j'ai rien compris. Ouais, je vais aller un peu par là. Toi tu dégages, je vais aller niquer déjà tes petits copains parce que c'est eux qui me niquent le plus. Allez. Tiens, tu vas crever enfoiré de ta race. Hop. Alors, où est-ce qu'on doit aller? Parce que là, ok. Déjà là il y a un coffre, je vais pas le prendre parce que bon j'ai déjà un peu tout au max. Donc apparemment, on va aller là-haut. Ouais, encore de la compagnie. Allez, encore une fois. Putain, mais c'est quoi cette ville que les mecs ils ont? Putain, ça repousse en plus. Il y en a qu'un qui repousse. Le deuxième, il est où? Pourquoi tu t'envoles pas, enfoiré? Voilà, donne-moi l'expérience. Alors là, il y a un pont, mais on sait pas pourquoi. Moi, je vais aller récupérer de la magie. Non, j'ai dit de la magie. Hop. Alors, donc là le deuxième collier il est là je crois. C'est une statue d'Hera, il semble qu'elle porte un collier autrefois, voilà. Donc je vais pouvoir poser le premier collier. Voulez-vous placer le collier d'Aphrodite sur la statue? Oui. Donc là ça va ouvrir quelque chose je crois. Voilà. Alors donc là on a vu, hop, qu'il y avait un petit coffre. Pareil pour là. Wow. Alors le mec il est tombé dans l'eau mais apparemment... Ah ok. Alors là on va arriver dans une salle. Je crois qu'il y a que des coffres ici. Je suis pas sûr. Attendez. Non, c'est ça que je voulais augmenter. Même si j'ai pas encore assez, on va tout vider comme ça sera fait.
là. Alors. Voilà. Alors là, on est que dans un endroit où il y a des coffres. Avec beaucoup d'expérience. Vas-y. Putain, j'adore toute cette expérience là. Ouais. Alors, il n'y a rien d'autre. Ouais, j'ai pas envie d'aller en bas parce que je ne sais pas ce qui va se passer. Déjà, je peux augmenter. Ça. Voilà. Bon, maintenant pour augmenter, j'ai augmenté la lame d'Artemis vu que c'est le truc le plus puissant après le après ceux que j'ai augmenté donc voilà. Alors, on va pouvoir revenir. Et on va devoir aller chercher le collier d'Hera pour compléter le passage. On s'ennuie. Par contre, je le redis, hein, mais ils ont bien travaillé les graphismes. Hein. Pour une PS3, pour un jeu de PS3, c'est pas mal. Bon, ça équivaut pas, hein, au God of War 3, hein, mais c'est quand même pas mal. Oh là là. J'ai descendu un peu trop de trucs là, à mon goût. Donc là, il n'y a rien. Je crois que je peux pas encore descendre. Non, j'ai fait de la merde. Bah, faut tout essayer en même temps, parce que sinon. Quoi? Attends. Non, je réapparais là? Alors que j'ai fait tout ce chemin là? Attends, c'est du foutage de gueule là. Ils se foutent de ma tronche. Oh putain, non mais non. Comment perdre du temps dans une vidéo, sérieux? Putain, va falloir récupérer toute l'expérience. Oh là là, ça me dégoûte ça. Bon, je vais aller récupérer la vie qui est là-bas, enfin la magie plutôt. On va aller récupérer les coffres en vitesse. Je vais pas mettre le collier tout de suite. Putain, comment perdre du temps? Fait chier quoi. Ça c'est le truc qui m'énerve. Au niveau des checkpoints, je dis pas bravo hein, parce que là. Putain, non mais sérieux quoi. Bon, vous allez pas me faire chier. Allez, plus vite. Kratos, faut que tu nages plus vite. Ouais. Allez hop. Allez. Vas-y, encore. Hop, je vais. Merde. Putain, ça c'est chiant par contre. Ils augmentent, enfin ils ont réglé le petit problème hein, parce que vous voyez que là ça s'écoule super lentement, alors que dans le 2 ça va archi vite.
Donc je trouve ça dommage. Bon allez, là on va pas faire le con, hein. Je vais pas me suicider. Je vais continuer. Parce que comment perdre du temps dans une vidéo, franchement, ça dégoûte, hein. Parce que le deuxième collier, hein, il est là où j'ai descendu avec l'échelle. Hop. Oh putain. Je déteste quand il fait ça. Alors là, bah, ces enculés de s'attirent de mes fesses. Bon, je les ai tous éjectés apparemment. Ouais, mes âmes rouges. Il y en a plus. Elles font plus mal. Je vous dis, ça c'est le meilleur pouvoir. Hein. Vous pouvez voir. Comment je les ai exterminés, les autres? Truc de ouf. Bon. Apparemment, je dois aller là. Là, il y a encore une épreuve à tous les coups. Ah bah voilà. Qu'est-ce que je disais? Bon allez, on va activer tout de suite les lames. Enfin les âmes. Merde. Merde. Comment je lui marre sa tronche. Allez, tiens, prends, mange, mange. Hop. Récupère de la magie. Ah oui, je me souviens de cette épreuve. Si j'arrête de me faire niquer comme une merde. Oh putain. Alors, voilà le collier. Seulement, ça va se fermer. Il va falloir, vous allez voir, tout remplir. Alors, je vais vous expliquer comment on va faire dès que je me serai débarrassé de cet enculé. Tu dégages. Putain, casse-toi, sérieux. Dégage. Voilà. Alors, vous voyez, on a des blocs de pierre. Alors déjà, on va aller là. Tout comme mon âme a été bouleversée, votre chemin est morcelé. Reconstruisez mon âme et ouvrez la voie. Pathos Verdes 3, machin, machin. Ok, alors. Très simple, normalement. Alors, déjà celui-là. On va le placer. Là. Voilà. Alors, vous voyez, en fait, le principe, c'est de reconstruire, enfin, de remplir, en fait, tout l'espace avec les blocs. Par contre, je crois que là, je me suis un peu paumé. Parce que... Ouais, c'est chelou, là, par contre. Ah oui, non, il y a celui-là, c'est vrai. Je suis con. Celui-là, toi, tu vas dégager. Celui-là. Alors comment je vais le mettre celui-là, parce que faut pas que je le mette comme ça.
Au pire, si je galère trop, je vais couper et je vais vous montrer comment on va faire. Alors attendez, parce que si je le mets comme ça, celui-là. Bon alors, toi tu dégages, putain. Ouais, je crois que je tiens le bon truc à mettre. Celui-là, il doit aller là. Putain, mais on voit rien. Mais cassez-vous, bloc de merde là. Si je me souviens bien, ce qui n'est pas le cas. Je galère. Allez, ah oh, putain. Celui-là, faut le foutre là. Le petit bloc. On va le foutre là. Voilà. Le T, on va le foutre là. Il nous reste quoi? Il nous reste pas grand-chose en fait. Donc là, j'ai un bloc. Ouais. C'est un peu la merde là. Je crois que j'ai un peu merdé. On va voir juste un truc. Si je fous ça là-bas. Parce que je crois qu'il faut que j'utilise tous les blocs, hein. Je suis plus sûr. Parce que si je fous ça là. Toi. Ça va être super chaud. Parce que si je fais ça là, ça je vais le foutre là. Ouais, celui-là, faudrait voir ce que ça donne si je le retourne. Parce que si je le retourne, ça fait ça. Mais il va quand même rester un bout de truc. Ah, je déteste ce passage. Bon, vous savez quoi, je vais couper la vidéo et je vous retrouve juste après. Et me revoilà. Alors, c'est bon, je crois savoir comment je vais me débrouiller pour réussir à faire ça. Alors, en fait, c'était assez con hein, comme truc, mais c'était très chiant aussi. Alors, celui-là, il va falloir qu'on le place là-bas. Toi, tu viens là. Toi, tu viens là. Attends, non, ouais, toi, tu restes là. Là, faut que j'aille placer celui-là là-bas. Ça c'est ok. Celui-là il va aller à gauche. Faut d'abord que je le tourne. Assez compliqué ces énigmes. J'aurais pas trouvé tout seul. Quoique peut-être en cherchant pendant 20 minutes j'aurais peut-être trouvé, mais. Celui-là il va aller tout là-bas. Et après j'aurai complété tout le truc normalement. Et en fait il me restera un bloc. Quoi? Tu veux. Comment ça tu. Tu dois rentrer? Pourquoi? Pourquoi tu rentres? C'est quoi ce délire? Pourquoi tu. Non, attends, c'est pas possible. Oh là là, à tous les coups, je l'ai. Attendez, c'est pas possible. Normalement,
À moins que le... Ah, voilà. Putain, je me suis dit... Ouais, et il me restera en fait le petit bloc qui me servira à rien. Bon, c'est pas grave. Hein. Pire, on s'en fout. Hop. Et celui-là, là-bas, qui va rentrer parfaitement dans le trou qui reste. C'est ok. Tout-tout-tout-tout-tout. Hop, voilà. Donc là, on peut récupérer le collier des rats. Oui. Vous avez acquis le collier des rats. Hop. Donc maintenant, on peut revenir sur nos pas, placer les deux colliers et continuer l'aventure. Tiens, il y a un point de sauvegarde là. Je peux encore continuer un petit peu. Oh là là. Phase de grimpage. Tu dégages. Tu dégages aussi. Alors, par où je vais passer? Tu dégages. Parce que là, il n'y a rien. Coucou. Viens là. Toi. Quoi? Comment ça tu me donnes un coup de pied? Non, non, tu dégages. Toi aussi, tu veux morfler. Alors, à tous les coups, il y a un truc en bas. À moins qu'il n'y a rien. Est-ce qu'il y a, quelque chose ou pas? Non, apparemment, il n'y a rien. Maintenant, je vais aller voir en bas ici. Ce qui est chiant, c'est voilà, dans le 2, ils ont rectifié ça aussi. Mais dans le 1, ils auraient pu mettre un truc pour... je sais pas, pour monter... enfin, pour descendre plus vite, quoi. Moi, je comprends pas pourquoi... Bon, c'est pas là qu'il fallait aller. Là, il y a un coffre. C'est pour ça, j'ai pas compris. Non. Toi, tu viens. Tu dégages. Coco. Bon, toi, t'es tombé tout seul comme, une merde. Toi, tu... Viens là, j'ai dit. Oh là là, comment je l'ai... Comment je les marave leur tronche. Coffre de vie. Alors j'imagine que là-haut c'est pour continuer l'aventure, donc... Coucou toi. Putain mais cassez-vous quoi. Attends, je suis bloqué. Merde, ouais, j'étais bloqué. Parce qu'en bas il y avait un coffre, souvenez-vous, donc je vais aller le chercher. Tiens, bah en bas c'est la sortie en fait. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais remonter. Allez,
On va essayer d'aller plus vite. Allez, allez, vas-y, tu peux le faire. Ah, je me doutais bien qu'il y avait des coffres ici. Hop. Augmentons les lames en même temps. Enfin, la lame d'Artémis surtout. Dégage. Y'a quoi en bas? Rien du tout. Cassez-vous. Toi, tu vas venir ici. Tiens, un petit coffre ici. Comme c'est généreux. Bon, il n'y a plus qu'à revenir sur nos pas. Voilà, donc là, ça m'aurait été bien utile de pouvoir descendre plus vite, quoi. Parce que là, voilà, quoi, on va mettre 3 ans. Plus, je crois que je vais commencer par arrêter la vidéo, sinon ça va faire trop long. Je sais pas s'il y aura un point de sauvegarde en bas. Qu'est-ce que tu fais? Kratos est con. Hein. Tout dans les bras, mais rien dans le cerveau, comme d'hab. Ouh là là, il a cru que j'allais tomber. Putain, je me suis dit, c'est un ouf le mec. Bon. Oui. Donc là, ça va activer les plateformes comme vous l'aviez vu tout à l'heure avant que je crève comme une merde. Hop. Ah oui, donc là c'est par intermittence, c'est juste pour vous faire chier en fait. Hein. Youhou, plein d'XP. Voilà. Alors... La voie était maintenant dégagée pour Kratos. Cependant, les souvenirs continuaient d'affluer, aussi familiers et permanents que les lames fixées à ses poignets. Il se souvenait de ce qu'il avait fait au nom d'Arès, de la façon dont il était devenu le serviteur du dieu de la guerre. Une bête, son humanité volée, et remplacée par une seule volonté, celle de tuer. Personne n'était à l'abri. Des armées tout entières tombèrent devant Kratos et les soldats qui le suivaient dans ses incessantes conquêtes. Toujours au nom de son maître. Ceux qui offraient la moindre résistance voyaient leur sort réglé rapidement. Ils ont érigé ce temple dans le but de prier Athéna. Ce village tout entier est un véritable affront au seigneur Arès. Brûlez ce village de fond en comble! Encouragée par le dieu de la guerre, l'armée de Kratos était impitoyable et crainte dans le monde entier pour sa brutalité. Tout ce qui importait était de conquérir au nom de Kratos, leur chef incontesté devenu quasiment invincible. Ils n'avaient peur de rien. Mais il y avait quelque chose à propos de ce temple, quelque chose d'interdit. Son instinct lui disait qu'il ne devait absolument pas en franchir le seuil, ne jamais y pénétrer. Attention, Kratos. Les dangers du temple sont bien plus grands que vous ne le croyez. Mais l'avertissement de l'oracle du village fut inutile.
son ambition ne serait pas contrariée. Tous ceux qui s'opposeraient à lui mourraient. À cet instant, la gloire dont il se délectait se transforma en horreur. L'image de ses deux dernières victimes resterait avec lui jusqu'à la fin de ses jours. Après cet acte, Kratos savait qu'il ne pourrait plus jamais être au service de son maître. Il n'avait plus qu'une obsession maintenant, la mort d'Arès. Il se chargerait de tuer le dieu de la guerre. Arès. Vous mourrez pour ce que vous avez fait. Ouais, encore une cinématique de merde. Oh putain, mais c'est quoi tout ça? Lâchez-moi la grappe. Ya, mes petites âmes, je vous adore. Crève. Bon, va falloir que je trouve un petit point de sauvegarde, moi, parce que là, c'est quand même un peu beaucoup. J'ai eu chaud là, j'ai cru que j'allais... Alors, il n'y a pas de coffre ici, on regarde bien. Donc là, on va arriver dans une nouvelle zone encore. Avec un point de sauvegarde, s'il vous plaît. Petit point de sauvegarde ici, non. Alors là, quelque part. Non. Bon bah, c'est pas grave. Ah, point de sauvegarde. La tombe de l'architecte, voilà. Donc ça, ça sera dans une... dans une prochaine vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu. On se retrouvera très vite pour la suite. À plus tout le monde.